Combien de partenaires sexuels Bastos a-t-il eu? Entre 100 et 150. Quoi? Mytho? Ah ah! Bah oui, frérot. Ouais. C'était quoi ta réponse? Bah putain. Petit message important. Ah, ça vous a manqué, hein. Eh ben, il n'y en a toujours pas. Voilà, bonne vidéo. Ah si, 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 j'aime mes nuggets. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Darko et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis super heureux de recevoir Studio Daniel avec moi. Bonjour, bonjour. Daniel et Arthur, ainsi que, je ne peux pas oublier, Bastos. On ne me présente plus. Le fameux. Daniel, tu n'as jamais vu Bastos, c'est la première fois. Oui. Quel est ton ressenti? Mais très, très beau, quoi. Aujourd'hui, nous allons faire une bataille des couples. Le concept est simple, nous allons à tour de rôle répondre à des questions sur nous sans que nos duos n'entendent les réponses. Ils devront alors répondre aux mêmes questions et surtout ne pas se tromper sous peine de se faire électrocuter. Ah, tu vas pas m'électrocuter? Bah alors si. Alors si t'as des bonnes réponses, tout va bien. Tu n'auras rien. Ouais. En revanche, si tu as des mauvaises réponses, Daniel, tu vas te faire électrocuter. Non, non, mais ça veut dire qu'elle, elle va le faire pour moi? Elle va le faire pour toi. Non, aussi. Mais la connaissant, elle, genre sur sa télécommande, elle appuie comme ça à chaque fois. Ah non, toujours lui, si tu fais pas de mal, je te ferai pas de mal. Ça non. Commence à comploter. Ah, oui. Attention, on a un arbitre quand même qui est mon frère, tu feras gaffe. Si ça s'électrocute pas assez, tu électrocutes. Nous deux, y a pas de risque. Hein. Nous deux, on sait que. Oh, surtout lui, la dernière fois, il s'est fait plaisir. Écoutez, plus une minute à perdre, je vous propose de partir pour la première partie. Darko, quel a été ton premier métier? J'étais caissier à Franprix. Bah, c'est bien, caissier. Oh, non, j'ai pas dit que c'était mauvais, j'ai pas dit que c'était. C'est bien. J'étais obligé de gagner de l'argent parce que ma maman n'avait pas trop, enfin, elle avait pas trop les moyens de me donner trop d'heures d'argent. Bah ouais. Du coup, je travaillais. Bah c'est bien. Voilà. Mon premier métier, moi, c'était vendeuse de crème, de beurre, de poulet. Votre date de naissance? 22 mai 91. 28 08 54. Votre chanteur préféré? Barzetti. Un italien, vous étiez pas né. Est-ce que t'as un chanteur connu, là, contemporain, préféré? Angèle. Moi, j'en ai pas, j'ai pas de chanteur préféré. En vrai, c'est une réponse en soi. Votre deuxième prénom? J'en ai pas. Rose. Ah, sympa. Votre youtubeur préféré? Mon youtubeur préféré, bah, c'est Darko. Oh. Ah bah ouais, je le suis. Ah, j'en ai aussi un autre qui a fait le film avec moi, du Bust. Mister V. Ouais, il est drôle. Oh, ouais. Moi, youtubeur préféré, je vois pas qui. J'aime bien Squeezie. Vous avez fait votre première fois à quel âge? Bah, vrai, je dirais 14 ans. Ah ouais, c'est jeune. Et toi, Darko? 15 ans. Je l'ai fait le jour de la finale de la Coupe du Monde où Zizou il a donné le coup de boule. Oh, j'adorais Zizou. Ouais. Voilà. C'était pas avec Zizou, hein, mais c'était. Ah ouais. J'ai encore le blanc. Le blanc, c'est le plus fort. Et collez bien. Ah, oh bordel, je déteste ça. Leur premier métier? Le premier métier de Darko, c'était pas... Attends. Réponds vite, hein. Ouais, j'hésite. Des bagels? Pas du tout. Pas du tout, j'étais caissier à Franprix. Voilà. Oh, ça, tu me l'avais jamais dit. Moi, je sais. C'est pour ça que je suis aussi serein. Voilà. Je n'appuie pas. Plus, vendeuse de poulet et de patates. Chez Monsieur Dubois. À la gueule. Elle avait 14 ans. Elle gagnait 50 francs par mois. Elle les ramenait chez elle. Elle ramenait un petit poulet. Ouais, bah, ça va, tu la racontes pas. Alors, elle avait l'air d'insister sur la crème fraîche. Ça aurait été parfait si tu l'avais dit aussi. Ah ouais? Ouais. Un petit coup du quand même, bah oui. La date de naissance de Darko? Je sais pas. Okay. 28 août 1954. Bien. Bah mais c'est pas possible. J'en ai marre de ce couple. Connais toute ta vie. Bastos, le chanteur préféré de Darko? Attends, s'il te plaît. Oui, je sais en plus. Attends, ça je sais. C'est Adam Levine. Qu'est-ce qu'il raconte? Claude Barzotti. J'arrête de jouer. Connais toute ta vie. C'est incroyable. Okay, ajoutons une petite difficulté. Okay. Je me suis permis de lui demander son chanteur contemporain préféré. Petit biscuit. Big Flo et Oli. Ah, Big Flo, je sais pas. Bastos, le deuxième prénom de Darko. Je sais pas. Oh merde.
John. J'ai pas de deuxième prénom. Je le connais, mais je veux que tu me promettes de ne pas demander le troisième prénom derrière. Janine. Oh, mais... Vas-y. Stop. Mais pourquoi il y a marqué Janine sur tous tes contrats EDF? C'est ton troisième prénom. Aïe. De se tenir le poignet comme ça. Ça marche pas. Le youtubeur préféré de Darko. C'est une catastrophe. Il connaît. Squeezie. Oh, incroyable. Là tu reviens des morts là. Tu es en train de mettre un Big Flo et Oli. C'était pas... Non, t'inquiète pas. Non, Darko, t'es un bâtard. Stop. Ralentis un peu. Aïe, ça fait la crampe là. La première fois de Darko, elle était à quel âge? Ah, vous savez, oh là là, Darko, allez, je dirais. Allez, je dis 16 ans. Bah, ben voilà. C'est très bien. Oh ouais, très c'était bien. 15 faux. Ouais, c'était 15. C'est un rapport avec son premier métier d'ailleurs. C'était à 14 ans avec Monsieur Dubois. C'était avec ton employeur. Mais il avait quel âge? Il avait 35 ans. Et t'avais 14 ans? Ouais. Oh, Monsieur Dubois, Si papa et tout ce qui me regarde, il m'aurait tué. Et puis il aurait tué Monsieur Dubois. Ah, il aurait tué déjà parce que mon père, c'est un joker, attention. Ouais, ouais. Votre acteur préféré? Bah, je pense qu'elle va dire Harry Potter, donc Daniel Radcliffe. Mais elle connaît pas le nom de Daniel Radcliffe. Si elle dit Harry Potter, c'est bon, non? Je vais compter bon. Ok. Je sais pas, on va dire DiCaprio. Votre signe astrologique? Capricorne. Et Bélier. Votre phobie? La mort. Attends, non, le vertige, je vais dire. Les attractions, les grands 8. Bah là, on devait partir au mois d'octobre au Bahamas, mais tout a été détruit. Il y a eu un tsunami. Un tsunami? Un tsunami? Non, on fait... C'est quoi? Un tsunami. Un tsunami. Un tsunami. Votre marque de vêtements préférée? Ah, putain. Je vais dire Diesel. Comme ça fait un peu de la pub, tu vois. Je vais dire Adidas. Franchement, je suis pas trop marque de vêtements, enfin... Ça se voit, hein. Ouais. Si vous aviez un super pouvoir, ça aurait été quoi? Ressusciter les morts. Putain, c'est beau. Voir à travers les tissus. Combien de partenaires sexuels avez-vous eu pendant votre vie? Si vous ne pouvez pas donner un chiffre précis, donnez une fourchette. Suite à des menaces reçues par Arthur et Bastos, j'ai dû biper leur nombre plutôt conséquent et surtout par respect pour leur famille. Entre... Moi, honnêtement, je pense que c'est incomptable, mais j'imagine que je suis entre... Ah ouais. Attention, je te l'aimais. Ah. Est-ce que tu peux essayer un petit coup? Ah! Non, c'est pas commencé. Bon, ouais, bon. Ah! Non, mais ça... T'es con, parce que moi, j'ai un cachet pour le cœur. Hein. Si tu veux qu'on continue ce jour d'année, bah, je vais crever. Hein. Mais ça fait mal et j'ai crampé. Ça ne tuera pas. L'acteur préféré de Bastos? C'est Liam Neeson. Non. C'est Game of Thrones. Un acteur. On peut mettre un petit coup de juge. Là, c'est mérité. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Non, c'est pas fort. Attention, non, c'est pas fort, arrête. C'est Game of Thrones. On peut faire ça, moi. Ça fait trop mal. Et... Le signe astrologique de Bastos. Oh, ça marche tout. Balance. Balance, quel bâtard. Oh, wow. Sagittaire. Ah, vas-y, sors toute confiance. J'ai des fourmis dans la main. Je vais faire moins fort, mais faut que tu devines un peu des trucs sur moi. Ah ouais, tu connais pas mon signe astrologique, c'est une honte. La phobie de Bastos. Allez, Darko. Il aime pas. Réfléchis bien. Les araignées, tout ça, ils sont fous. Non, si, il a un peu vertige. Bam. Yes. C'est ça. Yes. La phobie d'Arthur. Réfléchis, Daniel. C'est d'avoir toujours son téléphone sur lui, quoi. Ok. Daniel, réfléchis. Il a peur de quoi dans la vie? Il a peur des films d'horreur. Non, c'est pas vrai, ça. Un indice, 10.
Disneyland. Ah bon, il aime bien les parcs d'attractions. Mais non, mais non, mais non. J'adore. Les manèges. Ah oui, t'as peur des manèges. Mais non, Daniel, les grands 8 et tout, je déteste ça. Ah oui, oui, il aime pas les manèges. La marque de vêtements préférés de Bastos. Vas-y, attention, doucement, doucement, t'emmènes pas. Excuse-moi, il a acheté une casquette dégueulasse à 600€ à Los Angeles. C'est Chrome Cast ou un truc comme ça. Mais arrête, c'est ta marque préférée. Ouais, c'était quoi? J'ai dit Diesel. Ouah, oh, Vinito, je sais pas ce qu'on bossait avec eux. Ouais, je vais biper le nom, ouais. Est-ce qu'il bosse plus avec moi? Hop, je le bip. La marque de vêtements préférée d'Arthur? Les baskets. Non, mais une marque. La marque. La marque des baskets, par exemple. T'as répondu à côté de chaque question, c'est quand même fou. La marque des baskets, des baskets. On en a 4. Ah, attention, j'enlève. Dis une marque au pif. Une marque. Ikea. voilà, incroyable. C'est magique, Ikea. T'écoutes pas les questions en fait. T'as déjà vu des vêtements chez Ikea? Je sais pas. Mais ouais. C'est pas que j'ai eu un coup de courant. Mais... Si Bastos avait le choix de prendre un super pouvoir, il aurait pris lequel? Je pense qu'il aurait bien aimé soit remonter dans le temps, soit. Voir à travers les habits des meufs. Oh, yes, oh. Il sait que je suis abstinent. Il sait que j'ai que ça dans la tête en ce moment. Bah Superman. Non, un pouvoir. Voler. Non. Aller voir des gens qu'on aime au ciel. Oui, mais les faire quoi? Les faire redescendre. Donc les reçus. Excusez-moi, c'est quoi? Les ressusciter. Qui c'est qui a grandi? Voilà, c'est pas toi, hein, putain. Combien de partenaires sexuels Bastos a-t-il eu? Sachant que pour les deux... C'est à combien? 50 près? Non. C'est un gros chiffre. Du coup, j'ai accepté qu'il donne une espèce de fourchette. D'accord? C'est terrible. La fourchette de Bastos. La fourchette de Bastos, à mon avis, ça doit être entre 100 et 150. Quoi? Mytho? Ouais. C'était quoi ta réponse? Bah putain. Oh oui, d'accord. Ouais, je suis un petit joueur, moi, à côté. Bah, n'importe quoi. C'est bon, bah, dis la vérité. Pas du tout. Dis la vérité. J'étais en couple 10 ans, frérot. T'as jamais trompé ta meuf? Non. De toute ta life? C'est très bien. C'est vrai que j'ai un respect. Mais c'est vrai que je me suis bien rattrapé depuis. Bravo. La fourchette d'Arthur, je peux pas vous dire, parce que je connais pas toutes les conquêtes d'Arthur, mais je dirais une... Oh, c'est mignon. C'est beau. On valide. Merci infiniment à vous trois d'avoir été là. Ça m'a trop fait kiffer, t'as bien aimé? Ah ouais, j'ai bien aimé, mais c'est l'électricité, oh là là, ça fait mal. Si vous avez aimé ce concept, n'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus, on le refera. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'on a faite sur la chaîne Studio Daniel. On a fait une vidéo où on appelle des ex, c'est une catastrophe. Trop stylé. Mais comment... Merde. Comment bon, appeler... bon. Ouais, c'est Darko. Oui. Allez la voir. N'hésitez pas à nous mettre des couples en commentaire que vous voulez qu'on affronte en bataille de couple. Et puis nous, on vous fait plein de gros bisous. Merci infiniment. Et bisous. C'est très très grave. Alors attends, en même temps que moi. Et n'oubliez pas. C'est très très grave. Yeah. Ciao. Tu fumes pas? Non. Ah. Que de la bœuf. T'en as de la bœuf? Pas sur moi, non. Ah bah merde. Tu voulais te faire un petit joint?